Bienvenue les enfants, votre programme de ce dimanche. Tout de suite, votre culte. Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous ce matin? Eh bien, vous savez quoi? Moni Stéphanie va superbement bien. Amen. Alors, voilà, je suis dans la joie, comme tous les enfants qui me regardent actuellement, n'est-ce pas? Parce que dimanche dernier, on a dit quoi? On a chanté un chant qui disait que avec Jésus, on est toujours joyeux. Et c'est pas tout. Avec Jésus, il y a toujours de belles surprises. Tout le monde dit surprise. Surprise. Alors, voici ma première surprise. Oui! Je suis avec votre copine de section, Kim. Bonjour. Je suis avec Noah. Bonjour. Et roulement de tambour. Pasteur Respomoni. Bonjour les enfants, comment vous allez? Je suis très 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 contente d'être avec vous ce matin. Amen. Vous me manquez énormément. Mais je sais que bientôt, nous allons nous voir et faire le culte ensemble en présentiel. Très 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 bientôt. Amen. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, nous allons prier. On ferme les yeux et on va prier ensemble. Père, merci pour ce moment que tu nous donnes d'être ensemble. Père, viens prendre le contrôle. Dispose le cœur de chaque enfant connecté à ce culte. Bénis-nous et que par ta parole, nous soyons encore instruits par toi. Merci parce que tu es avec nous. Au nom de Jésus que nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Alléluia. Alors, la dernière fois quand j'étais avec vous, nous avons chanté un chant qui dit Jésus est le rocher de notre vie. Amen. Jésus est le rocher de ta vie, de ma vie. Parce que lorsque Jésus est le rocher de ta vie, rien ne peut t'arriver. Même s'il arrivait que quelque chose t'arrivait, le Seigneur va te garder. Il va prendre soin de toi. Amen. Donc, on va chanter ce chant qui dit « Jésus est le rocher de ma vie ». Tu vas danser, hein? « Jésus est le rocher de ma vie ». « Jésus est le rocher de ma vie ». Avec les enfants ici, on va danser ensemble. « Jésus est le rocher de ma vie ». Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Jésus est le rocher de notre vie. Amen. Alors, on va chanter encore un deuxième chant qui dit Jésus m'aime énormément. Qui le sait? C'est écrit dans la Bible. Jésus aime beaucoup les enfants. Alors, on va chanter ce chant pour dire que Jésus, effectivement, il vous aime. Amen. Allez, 1, 2, 3, et c'est parti. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit, tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui, il est grand. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Alléluia. Alléluia.
La Bible nous dit que Jésus t'aime et il m'aime aussi. Il aime tous les enfants. Amen. On va chanter encore avec moi. Et un troisième chant qui dit, Jésus, il est quoi? Il est fort, il est puissant, il est grand. Alléluia. On chante ensemble les enfants. Un, deux, trois, et c'est parti. Si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Encore, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Il a fait quoi? Il a fait les pommes et les carottes. Il me donne ma nourriture. Il a fait les pommes et les carottes. Il me donne ma nourriture. Amen. On a dit quoi? Dieu, il est fort, il est puissant. Et c'est lui qui nous donne tous les jours à manger. La pomme que tu manges, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a créé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais laisser toute la place à Moni, Stéphanie, parce qu'elle a beaucoup de surprises pour nous aujourd'hui, comme elle vous a dit au début. Amen. Alors, je laisse toute la place à Moni, Stéphanie. Alors, merci, pasteur Respo Moni. Amen. Alors, voilà, comme pasteur a dit, nous allons passer à une autre étape. Amen. Merci, pasteur, d'être resté avec nous, d'être venu nous saluer. Maintenant, nous allons passer à l'argent de Dieu. Amen. Alors, rapidement à la maison, tu vas prendre ton argent de Dieu. Et nous allons bénir l'argent de Dieu et tu vas garder l'argent de Dieu quand tu vas venir. Tu vas mettre dans le panier ici à l'église. Amen. Alors, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour l'argent de Dieu. Merci de me rendre super intelligent au travers de l'argent de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Tu peux acclamer le Seigneur. Un bravo. Un bravo, c'est superbe. Encore, un bravo, c'est superbe. Voilà. Maintenant, nous allons entendre Dieu. Amen. Nous allons entendre ce que Jésus a à nous dire. Et comment? Au travers de la parole. Alors, comme je disais tout à l'heure, mes chers tout-petits, c'est le moment pour Jésus de nous parler. Amen. J'espère que tu n'es pas en train de prendre ton petit déjeuner. D'accord? Voilà, tu dois laisser tout ce que tu faisais à côté là et te concentrer sur ce que Jésus va te dire. Vous avez remarqué qu'on a une nouvelle amie avec nous. Amen. Nous avons avec nous Manuela qui va nous aider aussi pour le message. Ça va, Manuela? Oui. Voilà. Elle dit oui. Elle a une toute petite voix, donc on n'entend pas bien. Mais je répète pour elle. Oui. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Et rapidement, je vais vous donner le titre de la leçon. La leçon dit, je peux toujours faire confiance à Dieu. Les filles, est-ce qu'on peut répéter ensemble? Je peux toujours faire confiance à Dieu. Voilà. Alors, pour illustrer, c'est-à-dire pour mieux expliquer comment faire confiance à Dieu, Moni Stéphanie aura besoin d'une chaise. N'est-ce pas? Une chaise. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur notre chaise? Notre chaise, elle a quatre pieds, n'est-ce pas? Quatre pieds. Elle a aussi
une assise et un dossier. Amen. Voilà. Mais je vais poser quelques questions à nos petits camarades qui sont là et puis ils vont nous aider aussi à faire la leçon, n'est-ce pas? Alors, les filles, qui peut me dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours avec une chaise? Manuela, tu peux nous montrer ce qu'on peut faire avec la chaise, s'il te plaît? On acclame pour Manuela pour l'encourager. Oui! Oh là là, elle est trop grande. Waouh! Ok, elle peut s'arrêter sur la chaise. C'est ce que tu as voulu dire, Manuela? Voilà, elle peut s'arrêter sur la chaise. On peut acclamer pour Manuela. Et toi, Kim, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, sur la chaise? On peut se mettre à genoux sur la chaise. Ah bon? Ok, montre-nous comment est-ce qu'on peut se mettre à genoux sur la chaise. Waouh! On peut acclamer le Seigneur pour elle. Alors, Noah, on t'a pas oublié. Et toi, qu'est-ce qu'on peut faire sur la chaise? On peut mettre son pied dessus pour attacher les lacets. Hein? On peut s'asseoir dessus. Ok. Montre-nous comment on peut attacher les lacets, comment on peut s'asseoir sur la chaise. Ah bon? Waouh! On peut acclamer le Seigneur pour elle. Mais on ne va pas oublier Moni. Je suis sûre que s'il y avait un petit garçon ici avec nous, là, il allait dire, on peut faire le cheval. Tiga, 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 tiga. On peut acclamer le Seigneur. Pour Moni Stéphanie. Amen. Ok, les filles. Je peux vous poser quelques questions encore? D'accord. Ok. Est-ce que pour monter sur la chaise là, ou bien pour faire quoi? Toi tu as fait quoi? Toi tu es monté sur la chaise non? Toi tu t'es assise. Est-ce que tu as vérifié comme ça, comme ça, comme ça? Non. Non. Tu n'as pas vérifié comme ça, comme ça? Ok. Mais comment je fais comme ça là? Hi, ça te fait penser à quoi? Pourquoi je... J'ai peur que la chaise se casse. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi. J'ai peur que la chaise se casse. D'accord. Mais toi, dis-moi, est-ce que quand tu t'es assise comme ça sur la chaise, tu as fait comme Moni? Non. Non. Tu peux acclamer le Seigneur. Qu'elles se sont assises sur la chaise comme ça ou qu'elles sont montées sur la chaise, elles n'ont pas fait comme Moni. Et pourquoi tu n'as pas fait comme Moni? Parce que moi, je n'ai pas peur que la chaise se casse. Parce que tu n'as pas peur que la chaise te casse. Et toi, Kim, pourquoi? Pareil, moi aussi, je n'ai pas peur que la chaise se casse. Elle aussi, elle n'a pas eu peur que la chaise se casse. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu confiance en la chaise. C'est vrai, non? C'est parce que vous avez eu confiance en la chaise. Amen. Mais quand vous regardez, ça ressemble un peu à Dieu, à ce qu'on va faire, on fait avec Dieu. Amen. J'ai dit que le titre de la leçon, c'était quoi? Je peux faire confiance à Dieu. Voilà. Pourquoi je peux faire confiance à Dieu? Au début, je vous ai dit que la chaise avait 4 pieds. Et les pieds de la chaise, là, ça ne bouge pas. C'est ce qui permet que la chaise soit stable. Amen. Ne nous fasse pas tomber. Et c'est la même chose avec Dieu. Et avec Dieu, Dieu a des qualités, n'est-ce pas? Dieu a des qualités. On va voir par exemple 4 qualités comme la chaise sur laquelle on peut s'appuyer pour dire que nous aussi, les enfants, on peut faire confiance à Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur. C'est super. Alors, la première qualité que nous allons voir de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu nous
aime. Tout le monde dit Dieu nous aime. J'ai pas entendu? Dieu nous aime. Amen. Vraiment, Dieu nous aime. N'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose que on ne peut pas changer. N'est-ce pas? Est-ce que si je donne un tas de bonbons, je sais que vous aimez les bonbons, hein? Les biscuits, les confiseries. Si je donne tout ça à Dieu, est-ce qu'à cause de ça, là, il peut ne plus vous aimer? Non. Vous êtes sûr? Vous ne répondez pas bien, hein? Non. Voilà. Alors, donc, même si on donne beaucoup de bonbons à Jésus pour ne plus vous aimer, ça ne peut pas marcher. Il vous aimera toujours. Amen. Alors, on va continuer. Alors, le deuxième pied, on va dire la deuxième qualité de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. Et tout ce qu'il dit est dans la Bible. Est dans la Bible. Et c'est toujours vrai. Alors, je peux faire confiance à Dieu. N'est-ce pas? Je peux faire confiance à Dieu. Une autre qualité de Dieu qu'on va voir, excusez-moi, je reviens juste rapidement sur le fait que Dieu ne ment jamais. Dieu dit qu'il est toujours avec nous. Amen. Et quand nous prions, quand on lui parle, il entend. Alors, ce qu'il dit est vrai et nous devons lui faire confiance. Amen. Une autre qualité de Dieu, comme la chaise, le troisième pied de la chaise, c'est que Dieu est fort. Et ça, c'est vrai, ça ne change pas. C'est pourquoi je veux te dire que quand tu as peur, appelle Jésus. Nous, notre Dieu, c'est Jésus. Appelle Jésus au secours. Ou quand tu dors et que tu fais un cauchemar, oh, ne pleure plus. Lève-toi et puis dis à Papa Jésus d'aller poursuivre celui qui t'a poursuivi dans le rêve là. Et puis rendors-toi en paix. Parce que on a dit tout à l'heure que ce qu'il dit est toujours vrai. C'est pour ça que nous pouvons lui faire confiance. Amen. Voilà. Et la dernière chose, le quatrième pied, il sait tout. Il sait tout. Tout ce que tu penses. Si tu es triste, il sait. Si tu es contente, il sait. Si tu connais les mathématiques à l'école, il sait. Si tu ne connais pas, il sait. Et tu peux l'appeler. Tu lui fais ainsi confiance et je t'assure qu'il va t'apprendre les mathématiques. Tu vas rien. Tu as dit, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je comprends toute la leçon. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi parce que tu étais sage. Amen. Alors, on va conclure. Vous voyez, c'est ces quatre pieds-là qui donnent à la chaise d'être forte, de nous soutenir. Amen. De faire qu'on ne peut pas tomber et tout, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec Jésus. Ces qualités qu'on a vues nous donnent de lui faire confiance et de dormir en paix. Amen. Parce que c'est ça qui est la vérité. Mais on sait que les chaises, on trouve les chaises partout, n'est-ce pas? Et comme Jésus, on le trouve partout, partout où nous sommes. N'est-ce pas les filles? On trouve Jésus partout, non? Voilà. Comme la chaise, on trouve la chaise partout et à tout moment. Ah, j'ai cru que je disais pour. Et à tout moment. Amen. Voilà, tu peux acclamer le Seigneur pour toi. Voilà. Donc, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que parce que Jésus nous aime, parce qu'il ne ment pas, parce qu'il est fort et parce qu'il sait tout, nous pouvons donc lui faire confiance. Amen. Nous pouvons lui faire confiance. Et comme la chaise, on trouve la chaise partout, à plusieurs endroits, tu peux avoir des chaises. C'est comme ça, Jésus avec nous, partout où nous sommes.
Il est avec toi à la maison, il est en même temps avec papa au travail, il est partout et tout ça, en lui faisant confiance. Amen. Alors, je veux t'inviter, mon cher petit ami, hein, à réfléchir, à fermer les yeux. Ensemble, on va fermer les yeux et puis on va penser à quelque chose où on n'arrivait pas à faire confiance à Dieu. Amen. Et en se rappelant des qualités de Jésus au travers de la chaise, on va ensemble dire à Jésus, aide-nous à te faire confiance. Amen. Allez, ensemble, à trois. C'est bon, t'as trouvé? Ok. Alors, ensemble, crions, Jésus, nous voulons toujours te faire confiance. Jésus, nous voulons toujours te faire confiance. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi. Alors, on a fini la leçon. Voilà, par la grâce de Dieu. Peut-être que dimanche prochain, nous allons continuer dans ce sens. On verra bien selon comment Jésus va nous conduire. Amen. On lui fait confiance. Voilà, parce que tout ce qu'il dit est vrai. Donc, nous allons prier pour la fin. Ensemble, on va fermer les yeux et on va prier pour la fin. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ta parole. Waouh, j'ai compris que je dois te faire confiance. Merci parce que tu m'aides à te faire confiance au nom de Jésus. Amen. Et nous allons mettre une main sur la tête comme Moni Simone, dimanche dernier, a proclamé des bénédictions. Amen. Voilà. Tu es béni dans le nom de Jésus. Et tu dis Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Le visage de Jésus brille sur toi. Amen. Jésus te protège, toi et ta famille. Amen. Jésus te défend maintenant contre tous ceux qui te poursuivent dans les rêves. Au nom de Jésus. Amen. Alors, un bisou pour toi. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Ouais. Au revoir. Et tout le monde dit au revoir.